Au tout début, il y avait une page blanche et tout restait à faire en Afrique, où il est difficile pour des populations parfois sous-éduquées de faire valoir leurs droits. Afin d'enrayer ces fléaux et redonner une perspective d'avenir pour les victimes de ces vices, il faut agir à la racine, avec les gens concernés, dans les communautés les plus démunies et isolées. Nous sommes une organisation qui relie les personnes en détresse avec les personnes les plus à même de défendre leurs droits. Avec ses 89 projets mis en œuvre dans 10 pays de l'Afrique, le projet EDH, Éducation aux droits humains, d'Amnesty International, a touché plus de 125 000 personnes dans plus de 250 communautés, leur permettant de faire valoir leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 10 pays d'Afrique d'ouest en est. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Ouganda. Depuis 4 ans, un budget de plus de 3 352 102 livres sterling est mis à disposition par UKAID et Amnesty International. Cet argent est distribué à tous les partenaires responsables de projets afin que des actions concrètes soient menées dans chaque communauté concernée. Pour que toute personne détentrice de pouvoir en use désormais avec bienveillance, pour que les générations suivantes prennent leur avenir en main, l'éducation est la solution à tous ces problèmes. Au début, il y avait une feuille blanche et tout restait à faire. Aujourd'hui, nous y écrivons nos actions passées et futures, et la liste est longue de ce qui reste à faire. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, afin de ne plus jamais revenir à une page blanche.